défi Azimut, multiformat, ses runs, ses 48 heures, son tour de Groix. Nous rentrons dans ce circuit où les marins viennent gagner des points et au bout de 4 ans, on devient le champion du monde de cette série extraordinaire qui est l'INOCA. Merci beaucoup. Les événements sportifs comme le défi Azimut, avec quasiment les meilleurs skippers, ceux qui vont préparer la Jacques Vabre, permettent de lier à la fois cette très très belle image de Lorient-la-Basque, et puis aussi le temps des réflexions. Ça a été ce colloque ce matin, qui était conclusif de deux autres journées de réflexion. C'est aussi ça le défi Azimut, et je crois que c'est ce qui donne de l'importance à cet événement. Et ce n'est pas qu'une course, c'est donc un événement nautique de dimension nationale, et on l'espère demain internationale. On profite de ce format sympa de run pour inviter plein de gens qui suivent le bateau. C'est les patrons des magasins de Bureau Vallée qui viennent d'un peu partout en France. On va être 5 ou 6 à bord à chaque fois. J'espère faire de belles choses sur ce défi Azimut. Et puis on garde en tête que l'objectif majeur, c'est quand même la Transat Jacques Vabre. En tout cas, on va essayer de prendre beaucoup de plaisir ici, continuer de progresser, d'apprendre et puis voilà. Défi Azimut, c'est une super course et c'est important de faire beaucoup de courses, quoi, le plus possible. Il y a la Jacques Vabre, mais je trouve que toutes les courses du circuit IMOCA, elles ont leur intérêt, elles sont très différentes. Là, on a vraiment un exercice, comme Sylvie et Hubert, ils choisissent le parcours au dernier moment. J'ai l'impression qu'ils nous mettent le maximum de pièges sur la route, juste pour qu'on fasse le plus de manœuvres possible. Mais c'est ça qui est bien, et on le sait, à chaque fois qu'on vient à l'Azimut, c'est ça, c'est super rythmé, quoi. Là aujourd'hui, de gagner le Tour de Groix, c'est parfait, super semaine. Voilà, un beau défi Azimut avec des belles soirées, avec des belles régates, des bonnes conférences. Voilà, il y a tout pour faire une épreuve sympa.